Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus, vous qui êtes ici physiquement présents dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, ou vous qui nous rejoignez à travers les ondes de Radio Notre-Dame ou de KTO Télévision. Ensemble, unissons nos cœurs pour, avec toute l'Église, célébrer tous les saints. Contemplez
cette ultime de la destinée humaine, répondre aussi, en puisant dans la force de notre baptême, à notre vocation qui est d'être saint déjà sur la terre. Préparons-nous ensemble à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Adamus benedicibus te. Adamus glorificamus te. Yeah.
Tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Se tenir dans le lieu saint, l'homme au
perdu aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux de miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux des cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux des artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte
ce dont vous persécute, ce dont dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les saints, nous pourrions nous poser la question et celle de l'Apocalypse. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? À cette question que nous venons d'entendre, l'ancien à qui saint Jean retourne la question répond: ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Si nous prenons la peine, autant que nous le puissions, de nous retourner sur ce que nous connaissons de l'histoire humaine, nous n'avons pas beaucoup de mal à caractériser la grande épreuve dont parle l'Écriture. Collectivement, depuis que le monde est monde, guerre, violence, barbarie, mais aussi catastrophes naturelles, peste et tant de graves maladies ont éprouvé l'humanité, au point de réconcilier, au moment même de la fin de la vie terrestre, ceux qui croient en un au-delà et ceux qui n'y croient pas, pour leur permettre de saluer la fin du mal. Quand on est mort, on ne souffre plus. Individuellement, depuis que le monde est monde aussi et dans le secret des existences de chacun, la grande épreuve existe et aujourd'hui encore, à considérer la situation terrible dans laquelle se trouvent tant de populations, nous vivons la grande épreuve. Nous pensons par exemple, évidemment tous, aux populations juives, chrétiennes et musulmanes qui, ensemble, mais elles n'ont bien souvent que cela en commun, considèrent que la terre dans laquelle elles vivent est sainte. Nous pensons à l'interminable conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Nous pensons aussi à ce que tant et tant de populations en Haïti, en Centrafrique, au Burkina Faso, au Yémen, en Arménie, au Haut-Karabakh, en Éthiopie, en Érythrée, au Liban, en Afghanistan, et dans tant et tant d'autres lieux du globe vivent. Nous pourrions poursuivre la liste avec les souffrances résultant des catastrophes naturelles, dont récemment, par exemple, le Maroc et la Libye ont été le théâtre, la grande épreuve, du mal, de la souffrance et de la mort, c'est celle dont l'agneau de l'Apocalypse, Jésus-Christ, a voulu sauver l'humanité par son sang, comme dit encore saint Jean dans l'Apocalypse. Alors ce soir, considérer les saints comme revenu de la grande épreuve, c'est mettre nos pas dans ceux de Jésus pour espérer un monde meilleur. Un monde meilleur à la fin des temps, certes, lorsqu'adviendront les cieux nouveaux et la terre nouvelle, promis par Dieu, mais un monde meilleur maintenant déjà, par l'effort de sainteté, par la réponse que nous pouvons apporter à cette vocation qui est la nôtre depuis notre baptême, cette sainteté à laquelle tous nous sommes appelés.
La fête de la Toussaint, en effet, en première part sans doute, donne à voir l'ultime de la destinée humaine, l'ultime du dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité, toute l'humanité, foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, pour reprendre les termes de l'Écriture, humanité appelée au salut. Fêter la Toussaint, contempler cette multitude, c'est contempler cette béatitude céleste dans laquelle nous espérons ceux qui sont revenus de la grande épreuve. Il s'agit de ce monde où ceux qui pleurent seront consolés. Il s'agit de ce royaume donné à ceux qui sont persécutés pour la justice. Il s'agit de ce royaume dans lequel ceux qui sont insultés, persécutés et calomniés parce que disciples du Christ sont reçus. En contemplant dans l'espérance la béatitude de tous ces élus revenus de la grande épreuve, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, nous souvenons que notre récompense est grande dans les cieux, comme nous le dit le Christ lui-même. Oui, réjouissons-nous, et pas seulement en espérance, mais c'est peut-être une deuxième direction à laquelle cette fête nous invite, en nous souvenant que cet ultime de la destinée humaine, nous sommes déjà appelés à le vivre maintenant, pour au moins ce qui dépend de nous. Nous sommes appelés à en être de cette foule, déjà maintenant sur la terre, en chemin. Et le moyen d'en être, c'est la sainteté. Elle est certainement pour le ciel, Saint Jean nous l'a dit. Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Mais elle est déjà pour maintenant, car Dieu a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes maintenant, déjà. Les béatitudes nous tracent un chemin pour vivre cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. La pauvreté de cœur, la douceur, le souci de la justice au point d'en avoir faim et soif, la miséricorde, avoir souci de ce qu'il y a de douloureux dans le cœur de l'autre, la pureté de cœur, le désir de paix à notre porte, dans nos familles, dans nos cages d'escalier, dans nos bureaux, sont des chemins qui, jour après jour, humblement, discrètement, dans le secret souvent, tissent ce chemin de sainteté où Dieu nous attend. Ces conseils, ces béatitudes, elles sont pour nous, pas pour les autres, les saints. Nous sommes tous tellement prompts à nous déterminer en disant « je ne suis pas un saint ». Dommage. C'est là que Dieu t'attend. Il y a quelques années, commentant ces béatitudes, celui qui était l'archevêque de Paris, le cardinal Lustiger, avait publié un petit livre qui s'appelait « Soyez heureux ». Ce chemin de sainteté, nous le savons bien, chaque fois que nous nous y engageons peu ou prou, nous rend heureux et rend heureux les autres autour de nous. Alors, fêter tous les saints nous invite à considérer que ce chemin-là, il est pour nous. Et que ce chemin-là, de petit caillou en petit caillou, il change la destinée humaine. Enfin, bien sûr, fêter la Toussaint, c'est nous souvenir et nous réjouir de cela aussi, que nous sommes en communion avec tous ceux qui nous ont précédés et aussi tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront. Communion d'espérance, ce qui sera le cœur de notre prière demain quand nous prierons pour les fidèles défunts.
communion aussi de louange, comme autour du trône de l'agneau, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Communion de prière, pour demander le secours des saints, l'intercession des saints, si puissante et si aimante. Mes amis, que le Seigneur mette en nos cœurs le désir de la sainteté et que par le concours de sa grâce et de notre volonté, cette sainteté progresse en chacune de nos vies. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei Patri natum ante omnia saecula. Deum et Deum et Deum in Deum, Deum et Deum Deum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquam omnia facta sunt. Es
cœur ouvert à la grâce de Dieu qui veut nous faire grandir en sainteté, présentons-lui nos intentions de prière. Nous te prions, Dieu notre Père, de nous donner le désir de la sainteté en nous attachant à la multitude des saints que tu appelles et que tu sanctifies, et en prenant au sérieux les grâces que tu nous accordes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'oser vivre et annoncer les béatitudes au milieu d'un monde en proie à la violence. Prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous te prions pour que le souffle de l'Esprit nous secoue un peu plus et nous fasse suivre et imiter le comportement de Jésus et des saints en toutes circonstances. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Sois également attentif à tous ceux qui parcourent nos cœurs. En ta bonté, exauce-nous, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix nous célébrons ta louange, en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le Seigneur, tu es sur le Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs,
Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très simples, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs,
tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu, tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons prié en communion avec tous les saints. Demain, dans la liturgie, nous ferons mémoire de tous les fidèles défunts. Ce moment toujours un peu particulier où nous confions au Seigneur nos chers disparus, nos chers défunts, lui demandant de les accueillir dans sa lumière et dans sa paix. Et il y aura au cimetière du Montparnasse, à 15h30, une prière pour les prêtres du diocèse de Paris qui sont enterrés là-bas. La semaine du 12 au 16 novembre, avec Mgr Ulrich, un grand nombre de prêtres du diocèse de Paris partiront en pèlerinage et en retraite à Lourdes pour 4 jours. Eh bien, je les confie à votre prière. Et au retour de ce pèlerinage à Lourdes, le vendredi 17 novembre, ce sera l'ordination épiscopale de Mgr Emmanuel Thoy. Ce sera à Saint-Sulpice. Et nous vous portons tous dans notre prière, confions déjà votre ministère de successeur des apôtres au Seigneur et à la grâce de Dieu. Enfin, dernière annonce concernant le denier de l'Église. C'est cette période de l'année du deuxième appel du denier de l'Église, cette ressource essentielle dans le fonctionnement de nos paroisses, ici à Saint-Germain-l'Auxerrois, mais également dans chacune des paroisses de ceux qui regardent KTO aujourd'hui. Et donc, eh bien, chacun est invité à pouvoir contribuer financièrement à la vie de sa communauté. Et d'avance, au nom de tous, un grand merci. Merci Père Guillaume. Un seul mot sur cette ordination. Je sollicite le plus fortement possible la prière de tous. Merci à vous. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.